Salut à tous, jour 4 avec les Debs. Allez, c'est reparti, on est aujourd'hui samedi, donc l'avant-dernier jour du salon, et là on est parti au petit-déj. Et nous on rentre par là, donc entrée exposant, animation, et voilà, un petit-déj et on se retrouve sur le stand. Allez, voilà, ça y est les amis, on est sur retour sur le stand, je vais en profiter pour faire un petit tour plus précis avec vous pendant qu'on a le temps. Donc hop, on va passer là chez le collègue. Donc là on est chez mon collègue Arnaud Le Brélon de Lyon. Vous voyez ici, petit Solex, un petit micro qui est venu là, c'est le sien perso. Ici c'est les Solex Kilo, parce qu'il fait de la location de balade. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous n'avez pas vu. Ce sont les Solex qu'il a en location. Voilà un caddie qu'il a refait, son country aussi. Ça c'est le sien perso. Super country, il est magnifique. Ici Crazy Bike, vous m'avez déjà vu dans des vidéos avec, rouler avec. Donc voilà, elle a une belle 51 qui est magnifique, super bêta. Et derrière là il y a deux chaudrons, donc il y a cette chaudron qui a une copine à lui. Derrière on a le GT10 qui est aussi à la même personne je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà là un chaudron qu'il a retapé, chaudron qui est en vente aujourd'hui sur le salon. Voilà, si vous passez vous savez vous pouvez acheter ce chaudron. Donc il vous restera que demain, que dimanche pour l'acheter. Ici on est donc chez les Démons Fumants. Démons Fumants qui sont un peu, on va dire, les spécialistes de la 125 RDX par exemple. Vous en avez ici des modèles, ici dans son jus. Et là, vous passez sur des modèles qui ont été restaurés, mais d'une qualité qui est vraiment assez remarquable. Vous voyez la qualité de la peinture, des détails, tout ce qui est chrome, visserie, les cadres. Voilà, c'est vraiment du super, super boulot. Ils font même un petit jeu sur le salon. Vous avez ici les deux mêmes machines. Il y a un petit jeu, vous trouvez les différences et en fonction vous gagnez un cadeau. Il y en a 5 différences entre les deux, je ne vais pas vous les dire. Mais voilà, vous pouvez gagner des autocollants, des petits porte-clés et même pourquoi pas un t-shirt de leur assos. Ici voilà d'autres modèles de Yamaha qui sont là, ici une sortie de grange. Ce sont des projets qui seront en fait à refaire, à retaper. Et pour le salon, ils nous font une animation, c'est ceci. Hier le cadre était vide. Et voilà, tout doucement, il remonte le faisceau, les compteurs, le feu, voilà. Et normalement, à la fin du salon, celle-ci, elle est sur roue et elle démarre. Derrière, on part chez notre ami Seb, ici, qui est un peu spécialiste, on va dire, de la mini-moto. Alors voilà, vous voyez un peu les engins de la Yam, qui est magnifique de chez magnifique. Une petite GT50 ici, la Yamaha Mini. Voilà, elles sont dans des super états, super décor. Il nous a fait une petite déco vraiment sympa, on voit... C'est cool comme ça sur les palettes, ça rend super bien. Ici une petite YSR, petite réplique Yamaha, vous voyez. Bah c'est une réplique, c'est une Yamaha, mais voilà en mini. Je sais pas si on se rend compte, hein, si je mets la main à côté. Voilà, vous voyez, là je suis à genoux pour vous la filmer. C'est pas très grand, mais elles sont super belles. Il a fait lui tous les carénages, il a un collègue qui lui fait la peinture. Et on voit comme ça des machines qui sont vraiment magnifiques. Vraiment petites motos de course qui sont super. À côté, on arrive ici chez notre ami Didier. Didier, voilà, un peu spécialiste du 103, mais aussi de ce genre de machine. Et on reviendra. Didier qui est là. Voilà, on y va. Tu vas te laver les dents là? Ah, c'est bon. Je te ferai un bisou après alors. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je vous fais voir vite fait parce qu'on reviendra sur Didier. C'est un très bon pote. Et on fera une vidéo juste sur ses modèles. Il va nous expliquer un peu ce qu'il a fait. Donc là, je vous fais juste voir un peu tout ce qu'il a. Là ici une torsadée, ici une Excalibur, vous avez ici 103, la 103 Jax Daniel avec celle Louis Vuitton, vous voyez. Ici vous avez la Blueberry qui est magnifique, ici une chrono, bah, y a tout, des 103, voilà, qui retape entièrement, les peintures sont refaites, mais regardez un peu la qualité du travail. Il fait vraiment un boulot de dingue sur ces mobs, c'est vraiment, c'est énorme. Si pareil, il y a des magnifiques 103 aussi, c'est ça, c'est un peu le spécialiste 103. Ça va Eric? Ça va. Ça y est, bien dormi? Ouais, ça a été. Bon, bah nickel. Allez, maintenant, continue la visite, partie mobilette. On passe ici en face, chez Zundapp. Ici, vous avez une ZD25. Là, derrière, on a une type 434, qui est magnifique. Moi, je la trouve vraiment sympa. C'est vraiment joli. Là, on enchaîne. Zundapp, ça, on reconnaît. Les modèles très courants que l'on trouve de partout, des KS50. Ici, la Water Cooled. Ça, c'est beau aussi. Ça les gars, c'est juste magnifique. Encore une C50, là type 517. Ici une C50 Sport. Pareil, toujours type 517. Regardez un peu les machines. Donc là, c'est les amis Zundapp. Hein. J'ai déjà des vidéos, je vous invite à aller voir.
On a fait un rallye avec eux, c'est même là où j'ai eu mon accident là, cet été au mois d'août. Voilà, c'était avec une de ces machines, c'était même avec celle-là, je crois que je roulais, avec laquelle j'ai eu l'accident. Et vous voyez, elle est là, elle a rien. Il n'y a que moi qui ai morflé à l'époque. Ça, c'est pareil, type KS50 517, pardon. Ici, on a une 50 WC, carénée. Ici, une type 530, des années 80, 78. Ici, pareil, KS50, type 529. Ça, ça fait en gros 6 chevaux 25, faut le savoir. Ici, encore le KS50 watercoolette de couleur blanc. Ça, c'est magnifique. Pareil, toujours un type 530. Hein. Ici, une KS80 type 529. Voilà, Mazundab, c'est des belles machines. Hein. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Ils ont vraiment un très, très gros réseau. Ils rachètent un peu tout ce qui traîne. Ici, c'est la 125. Parfait état. Belle restauration. Donc oui, je disais, donc voilà, ils ont un gros réseau. Ils rachètent souvent les Zundab qui traînent. On a du mal à en trouver. Les prix sont pas donnés. Par contre, c'est des machines à un cyclo, un 50 cm3 Zundab prend environ 100 km/h et un 125 prend environ dans les 140 km/h. Ici encore une 125. On est sur une type 521. Regardez, belle machine. Regardez un peu la taille des trucs, quoi. C'est ouf. Il y a vraiment des moteurs de dingue sur ces machines d'origine. Toujours une KS125. Ici une type 521. Vraiment de très 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 belles machines. Ici, hop, on change, on a la noire ici, qui elle, c'est pareil, une 125, mais c'est une type 518. Voilà. C'est que de la belle machine. Franchement, c'est magnifique. Pareil, même modèle, mais en bleu. Une type 518 en 125, avec le gros réservoir ici, là. Et ici, une machine que vous ne verrez pas souvent. Donc, c'est pas une originale, il s'agit ici d'une réplica. Alors je sais pas si je vais bien le dire, c'est la 200 Seinfelder. Et en fait c'était en 1957 et c'est la réplica de Patrice Pensena qui lui courait, hein, qui a été 7 fois champion du monde en Allemagne en TT, plusieurs fois médaillé d'or aux IST dans les années 58 à 65 et c'était le chef de bureau d'études de chez Zundapp. Et voilà, donc là Zundapp, un des membres, a refait cette réplica qui est vraiment magnifique, la couleur, les parpières. Voilà, ça c'est une machine, vous en verrez pas. C'est la seule comme ça en réplica qui a vraiment une gueule de dingue, quoi. Moi c'est ma préférée de chez Zundapp. Et après il y a ma deuxième, c'est celle-ci qui est magnifique. Je l'appelle la High, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est écrit là, la High 50. Donc là qui est en plastique. Et beaucoup de carénage en plastique, c'est pareil, c'est une restauration qui a été refaite. Et elle est juste splendide, ça c'était dans les années 1980. Et je trouve que c'est aussi une machine en un peu type cross qui est vraiment sublime, de chez sublime. Et ici, c'est connu, on n'en voit pas non plus beaucoup. Super Falconet KS50, on l'appelle aussi la Combinat GS. Donc voilà, c'est superbe, super machine. C'est magnifique. En plus, ils ont des couleurs Zundapp qui sont vraiment, vraiment sympas. Et allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a ici la MVT Zundapp dans son jus. Bon, les plastiques sont légèrement passés, mais voilà, elle mérite d'être là, elle est complète, c'est une type TT, sortie en Espagne dans les années 80. Ici, une GS125 Zundapp, très bel état aussi, vous voyez. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de belles machines cette année, ils nous ont gâtés. Zundapp, ils ont vraiment amené ce qu'il fallait au salon du deux roues. Ici, pareil, la 220 record, c'est splendide. C'est splendide. Une femelle, alors femelle, on le sait. Moto portugaise, moteur Zundapp, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Si vous n'avez pas vu, allez regarder les gars, c'est tout expliqué. On a, je pense aussi, fait plus ou moins le tour de ce qu'on pouvait trouver chez Zundapp, femelle, et expliquer les choses. Ici, une GTS 50. Splendide. On retrouve souvent les mêmes couleurs avec ces chromes sur les réservoirs. Vraiment typique chez Zundapp. Et pour finir, encore une KS 50. Voilà, de couleur foncée cette fois-ci, mais qui a aussi tout autant de charme. Allez, on quitte le stand Zundapp et on arrive ici chez l'ami Eric Jarnos Moto, qui est voilà, spécialiste de la restauration de motos anciennes. Il fait quelques cyclos aussi, il fait ce genre de petit bébé, c'est du fait maison. Il a étudié le châssis, là, voilà, il a tout fait lui il y a quelques années. C'est un magnifique, ça passe bien. Franchement, ça a de la gueule, on n'en voit pas souvent. Je trouve que le délire est bon. Et voilà, après, voilà le boulot qu'il fait sur de la restauration, comme ceci, de la motobec. Vous voyez, c'est entièrement fait par lui. Il y a plein de modèles qu'on pourrait vous faire voir. Il a amené que celle-ci au salon.
Parce qu'après, il y a aussi une histoire de place, hein, et puis de moyens de transport. Mais regardez un peu l'état des machines. C'est vraiment magnifique. Ici, la 350 Bultaco. Pour information, voilà, qui est à vendre, vous voyez. Il y a bien un petit panneau. Il s'en sépare. Voilà, 2750 euros. Ça vous donne une idée du prix d'une Bultaco 350 entièrement restaurée, qui fonctionne et qui ont à la carte grise. Donc voilà, vraiment magnifique travail effectué ici. Papa, c'est splendide. Alors ici, ça c'est énorme. Il fait de la course de côte avec, c'est son Lambretta. Vous voyez, on a un peu tous les trucs ici qu'il a remporté ou auxquels il a pu participer. Donc ce qui est plutôt sympa, ça c'est un Lambretta, on n'en voit pas souvent. Moi, c'est la troisième fois que j'ai de la chance de le voir. Parce qu'on voilà, on se connaît et j'ai déjà eu l'occasion de le voir sur d'autres expos. Mais voilà, superbe, superbe machine. On passe à côté sur de la fabrication artisanale chez MM Delirium. Voilà, qui font avec des cadres d'AV3 ce type de mobilette. On fera une vidéo où on en parlera bien sûr plus longuement afin de vous présenter tous ces modèles en détail. Regardez un peu. Magnifique, de chez magnifique. Ça va, vous prenez le soleil? Ouais, c'est ça, avant que ça ouvre. Ouais, hier, il faisait beau monter dedans, c'est dommage. Mais ouais, ça fait grand beau. Hein. Et ici, on est sur le stand à Marcel et Clément. Donc la Marcel, une 51 d'origine. On a dessous, pareil, on viendra en reparler. Mais regardez, je peux me permettre de vous faire voir. Paf, il y a de la MBK Racing. Donc ça, on va venir, on va en discuter longuement avec Marcel. Je vais vous présenter les modèles. Ici, c'est celle de Clément qui tourne encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est sa brelle avec laquelle il tourne en ce moment sur circuit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on voit les jantes, on voit les jantes. On a un 51 CF. Regardez, c'est pareil, hein, on les sortira tout à l'heure. On fera vraiment voir ça en détail. Ici, pareil, on a une machine, je ne vous la dévoile pas. C'est pareil, vous la verrez sur une vidéo avec Marcel. Belle petite machine rallongée de couleur bleue, mais on en reparlera. Donc voilà, là, je vous ai fait le tour pour ce qui est, en gros, du hall 800 m2 là, dédié aux mobilettes, de façon à vraiment vous faire voir tout ce qu'il y avait ici en termes de cyclomoteur. Et je vais vous faire une vidéo qui sortira, je pense, demain ou après-demain, où j'irai, une fois la fermeture du salon faite, faire un tour du salon et je vous présenterai directement tout ce qu'on peut retrouver sur le salon du deux roues de Lyon afin que vous ayez une vue d'ensemble. Et voilà les amis, le salon vient d'ouvrir. Comme vous voyez, ça se remplit très très vite. Il y avait déjà une queue dehors qui était fabuleuse. Donc voilà, c'est parti, ça y est, on est samedi. Donc là, c'est le jour, il y a tout le monde, il y a les familles, il y a les enfants. Du coup, c'est cool. Là, on est parti pour une journée du soir jusqu'à 20h car le salon faisait aujourd'hui 10h-20h. Et pour information, la température de l'eau monte tout doucement, on arrive à 19 degrés. Alors j'espère encore avoir un degré pour moi ce soir pour pouvoir me baigner. Allez, on envoie du bon son, ça danse dans tous les stands, les mecs sont chauds, c'est parti, c'est blindé. Là, comparé à vendredi, c'est vraiment rien du tout. Là, aujourd'hui, c'est parti, il y a du monde, c'est pas un moment. Là, il y a moins de monde, je fais un peu de vidéo, mais ça s'enchaîne, c'est juste impressionnant. On n'arrête pas de parler, on n'a pas pu remettre un pied sur la 102 et toucher le moteur. On essaiera de faire ça après la pause repas. On espère que ça va se calmer un peu, on verra. Mais c'est vraiment la folie cette année. Allez, c'est midi, c'est l'heure de l'apéro avec un saucisson amené ici par un des abonnés qui me suit, ses collègues. Donc voilà pour nous, petit apéro. Santé les gars, chin chin. Santé les gars. Santé. Merde, j'ai loupé. Allez, voilà les amis, il est 15h, on refait un point. Mais il n'y a pas grand chose à filmer, je vous avoue que je suis débordé. Il y a du monde de partout, ça arrive en permanence. En fait, il n'y a pas énormément de monde comme ça. Mais c'est toujours en flux tendu, il y a toujours quelqu'un qui passe, qui vient ici la discuter. Regarde, il y a encore une dizaine de personnes. Et voilà, ça tourne en permanence, ça tourne. Du coup, on est vachement pris. Donc voilà, et on en fera un petit peu plus ce soir. On ira refaire un petit tour par là. Je vous ferai d'autres images. Allez, ça y est les amis, il y a enfin de la motivation sur le stand. Je crois que c'est reparti. Ça a nettoyé le carbu. Ça y est, ça rattaque. On relance. On remonte le moteur. Non, non, on finit de nettoyer. Ah, super. Le plicage, on a lu. Nickel, ça va prendre vie, là, ça va prendre vie. Ah, c'est bon. C'est reparti, projet 102 est de retour. Allez, voilà, petite surprise. Louis qui est passé nous voir sur le stand. Ça va, Louis? Ouais, ça va. Ça va? Comment tu trouves le stand, du coup? Il est super bien. C'est vrai, merci, c'est sympa. Donc voilà, du coup, ça fait plaisir de voir les abonnés comme ça qui viennent nous voir. Comment on dit, Louis, à la fin? Et on dit ciao. Ciao ciao. Allez voilà, c'est parti. On a attaqué le petit shooting. On a un modèle qui est gentiment venu pour nous suite à l'annonce qu'on avait passée sur internet. Voilà, on est avec notre photographe Sébastien.
Et du coup voilà, on pose, on va faire quelques photos avec Nobrel, les mettre en valeur. Bonjour monsieur le photographe. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Vous êtes de face ou de profil là? C'est pour les gens. Là vous êtes de profil, ok c'est bon. Ça marche. Allez vas-y, je t'en prie. Ciao. Et voilà, c'est parti. Bah, ça flash. Et les amis, bien sûr, les photos seront à retrouver sur la page officielle des Meules de Savoie, que je vous invite à aller liker, à suivre. Et il y aura toutes les photos faites par monsieur Maz. Et vous verrez, c'est de la grande photo. Bon, ben, ce sont les amis, on a les pom-pom. Vous rentrez, hein, vous y allez. Faites-vous plaisir. C'est reparti, allez, allez. Et voilà, les amis, deuxième jour, les pom-pom qui reviennent, c'est reparti. Ambiance, une voiture piscine, et là ça roule, et le Seb il est parti nous fait de la photo. Ça c'est bon les amis, c'est chez les Meules de Savoie, vous voyez ça, c'est pas ailleurs. Allez les amis, on continue à filmer, vous voyez, regardez l'ambiance, on continue le shooting, regardez comme ça attire les gens. Donc là c'est vous, on a déjà du monde, mais là franchement tout le monde est présent, tout le monde est venu. Et ouais, on a les pom-pom, forcément ça attire du monde, on a beau dire ce qu'on veut, mais quelques filles autour de Brel et une belle voiture, ça marche toujours. Allez. Ah dommage, on n'a pas eu le droit au plongeon les amis. Ah dommage, dommage. Super, c'est bon, ça tourne. Yeah. Ok les enfants, c'est bon les gars, tant que c'est sur le stand, c'est bon ça. Allez voilà les amis, c'est parti, maintenant on passe en petite dédicace photo, c'est parti. Les filles jouent le jeu, on les met là-dessus, on les met sur les brels, c'est parti. Faire pas mal de petites photos pour tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde, c'est cool. Allez voilà, maintenant petite séance photo dans la coccinelle. Allez là, on en profite, on bombarde, c'est cool. Seb il assure bien le boulot, c'est top de chez top. Vraiment sympa. Allez les amis, voilà, c'est fini, les Dolly Circus ont fini, elles sont venues sur le truc, c'est cool pour nous. C'est tip top, c'est clair. Super cool, donc c'est cool. À 19h le bain, 19h dans la piscine. Ah, c'est chaud, on rameute, on espère qu'à 19h elles seront là pour la piscine. Allez, c'est vraiment la course, mais on refait un petit point ici sur ce qui se passe. Eric il est en train de remonter l'axe. Faut pas faire voir ça. Parce que tu le montres un peu à l'arrache, c'est pour ça. Mais il le montre quand même. Regardez tout à l'heure le carter qui était tout abîmé, comme il est bien revenu. Beau chrome, beau poli là, vraiment du bon boulot. Et là c'est parti, allez, ça bosse. Ah là, la 102 elle reprend de l'ampleur là. C'est ouf de chez ouf. C'est reparti comme en 14. Ah bravo Bigoudi, toujours présent, il est sur toutes les vidéos. Ah il est fort, il est fort. Et voilà, ça démarre, ça envoie du steak, c'est bon, yeah. Ça fume un peu de temps, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, oh papa, énorme. On n'a pas vraiment le droit, mais là ça marche super, ça attire les gens tout de suite, c'est un truc de dingue. Énorme. Ah c'est bon ça. Allez voilà les amis, encore un nouveau point dans cette journée qui n'en finit pas. Ça ne désemplit pas, on va aller faire un point moteur avec Eric. Voir où Eric en est, ça va Eric, ça se remonte? Doucement. Doucement mais sûrement. Ouais. Tu galères pas trop si? Bah si, je connaissais le coq, il a démonté sans repérer. Ah. Merci Arnaud d'être parti, merci. Voilà, là c'est une dédicace à Nono. Ah ouais, ça c'est le bordel. Mais bon ouais, ça avance. Voilà, c'est cool. Petit projet qui avance bien, doucement mais sûrement. Et vous voyez, regardez le monde. On a le soleil en plus, hein, c'est un week-end un peu pourri en France. Et là, comme vous voyez, sur Lyon, on a un soleil de dingue. Du coup, c'est cool, ça rentre dans le stand, ça fait la luminosité. Pour nous exposer, c'est super. On a le photographe qui est déjà en train de bosser. Vas-y Seb, fais-nous voir un peu des clichés là. On est sur la caméra. Attends, tu veux voir? Regardez un peu ce qu'il a fait déjà. Là, il est en train de trier, il les fait tout de suite. On les renvoie derrière, voilà, regardez un peu le boulot. C'est juste énorme. Merde. Donc voilà là. Oh magnifique, celle-là elle déchire au bord de la piscine. On sait même plus si c'est sur notre stand. Ah il est bon, on a hâte de voir les photos. Hein. Allez voilà les amis, encore un nouveau point, ça s'est un peu calmé. Mais là voilà, une personne qui passait dans le public, cette jeune femme a accepté de faire des photos pour nous. Donc voilà, du coup le photographe on la met en scène, on va faire quelques shootings, ça fera pour l'association, ce sera aussi l'occasion pour la dame d'avoir un souvenir de ce qui se passe ici sur le salon du deux roues. Donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très agréable d'avoir le public qui joue le jeu avec nous ici dans la bonne humeur. Allez, on n'arrête plus, j'ai encore accosté ce couple qui veut bien aussi faire des photos pour nous, c'est super sympa. Je vous filme aussi, je vous mets sur YouTube, je peux, merci. Si, je suis obligé, il y a monsieur, il y a madame.
Vous allez être partout, vous allez nous maudire, parce qu'on a un gros gros réseau, c'est vrai Eric. Merci en tout cas d'avoir accepté, c'est cool. Ah c'est énorme. T'arrives avec la piscine derrière la, la bande et tout. Je suis chiant, il va dire que je suis chiant. Le salon ferme à 20h, rassurez-vous. Hein. Non, non, y'a rien écrit derrière. On l'a mis que... Hey. On l'a mis que devant, on est malin. On l'a mis que devant, on est malin. Derrière, ça se... Ah, c'est super, c'est vraiment trop trop agréable d'avoir des gens aussi cool qui passent et qui jouent le jeu pour notre association, les Meules de Savoie, et pour nous faire plaisir. Allez, voilà, on a quand même un super couple, ils sont vraiment magnifiques tous les deux. Du coup, je leur ai demandé la photo duo sur la Paloma. Ça joue le jeu, c'est super cool, je suis vraiment heureux. Et voilà, là, on se fait plaisir et tout. C'est super cool, quoi. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et Seb, il nous fait un boulot dingue, les amis. C'est cool d'avoir des amis comme ça, franchement, que ce soit pour la mobilette, pour les photos et les gens qui répondent présents. Quand je leur fais la demande, ça fait super, super plaisir. Allez, voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Le temps pour moi de vous faire le montage et de vous envoyer la vidéo pour que vous l'ayez avant la soirée, avant qu'il soit trop tard. En tout cas, voilà, super, super journée. Vraiment une journée de dingue. C'est tous les amis qui sont là, qui sont venus, qui ont bricolé. Et encore un grand, grand, grand merci à tous les gens qui se sont arrêtés, qui sont venus discuter, qui ont joué le jeu avec nous pour les photos, qui ont vraiment été d'une aide. Voilà, c'est cool. Les gens jouent le jeu, nous font plaisir. On essaie de leur rendre aussi, donc j'espère que voilà, tout s'est bien passé pour tout le monde. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao!